Je t'exclus parce que du coup, voilà, tu m'as... Bon, allez, ouais, casse-toi, je vais jouer à autre chose. C'est bon ? Non, je vais le désinstaller même. Ah, à ce point-là. On verra un jour. Alors, une fois par semaine. Alors du coup, il va falloir que j'optimise de nouveau mon stuff. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Tout va bien, tout va bien. Au-dessus, regarde ! Ils sont pas contents ! Combat time. Sur ta gauche. Recharge. Ça arrive sur la droite, je crois. Ouais. Encore sur ta gauche. Mon autre. Dans ce disque, c'est ça? Sur la gauche, devant moi. Il y en a un à droite. Ouais, à droite. Putain, ça commence fort là. Bah, on s'est arrêté là, hein. Ouais. C'est en mode, voilà, c'est bon. Oh putain. Mais cacharognard en attente un établi. J'entendais plus rien. Ouais. C'est normal. Guildo, tu m'as pas répondu pour ton arme. Tu disais quoi? De quoi? T'as quoi comme arme, Guildo? Ouais, fusil à pompe, toujours. Pompe avec flamme, la flamme, t'as quoi d'autre avec? Oh, fusil à flamme, méga PK, avec méga PK, et pas un fusil d'assaut qui va sûrement sauter dans pas longtemps. Okay. Je vais repasser à un truc basic. Bon, le fusil à pompe, en général, fait très bien le taf. C'est juste que, du coup, après discussion avec Shinra, apparemment... Je pensais avoir déjà maxé les dégâts de mon arme, mais a priori tu peux encore aller au-delà de ce qu'il te montre. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression de manquer de punch. C'est normal. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai des bonus, mais en fait, j'ai pas mis les dégâts au maximum parce que pour moi, la barre est pleine. Donc, de mon point de vue, c'était fini. J'avais pas besoin d'aller plus loin. Ouais, c'est derrière. À moins qu'il y ait un truc à faire à la gauche. Non, c'est fermé. Peut-être. Non, c'est fermé. Ça m'intrigue ces portes fermées. J'ai l'impression que c'est des. Un truc pour les missions quoi. Ouais, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a des trucs de deathmatch là-dessus, comme jeu? Ah, attends, remarque, attends. Y'a pas là-bas? Non, y'a pas de PVP. Attends, je vais t'augmenter. Ah, attends. Regarde. Je ne l'avais pas vu, regarde. Elle est si mignonne. Voilà. Merci. Oh la vache, la violence. T'as deux sur une pauvre caisse. Faut pas se défendre. Petit jeu intellectuel. Oh merde. C'est compliqué. Ah oui. Ah ben, c'est fait pour des génies comme nous. Oui. Bah t'es un ingénieur, hein, c'est fait exprès. C'est pour toi. Bon, du coup je m'arrête au premier établi venu. Ouais, j'ai aucun robot sur moi, bizarre. C'est normal, là, ils viennent, on les avait posés et là ils viennent. Enfin, moi ils sont venus à l'établi donc les tiens ne devraient pas être très loin. Hein. Ouais, je pense. Ça va, il y a des trucs. Ils travaillaient ici, mais on dirait qu'ils ont saccagé la moitié de l'entrepôt. Oh, c'est triste. Et pour les pièces du détecteur? Trois pièces, c'est ça? Bon, ça va pas être simple, mais je vais voir. D'accord, oui, c'est vrai. J'arrive. Oh, regarde! Magnifique cette œuvre d'art. Wow. Ça vole. Ah, hop. Ça y est. Mon œuvre d'art était éphémère, bien sûr. Oui, c'était comme une fleur. C'est la mode en ce moment. C'est ça, c'est la mode. C'est comme faire de la sculpture sur glace. Ça dure qu'un temps. Voilà.
Bon bah, tu passes, je t'attends. Ah bah ça doit se faire monter ça. Non, je vais devoir descendre. Non, c'est bon. Ah, tu descends, ok. Je vais aller mourir. Quoi ce bruit? Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé derrière moi. Non, elles veulent me manger. Je peux pas ramasser, non. Pourquoi? Bloc moteur sonde. Putain, j'ai plus de place. Je suis blindé. Pardon. C'est select. si tu veux, j'ai de la place, moi. Oh, mais c'est qu'en fait, il y en a masse. Hein. Enfin, ouais, c'est t'as beaucoup de place à la rigueur. Hein. Hop. Encore 4. Ouais, vas-y, tiens. Vas-y, tu vas avoir des médiums aussi. Voilà. Bon, je pense que je vais devoir me soigner dans pas merde. Longtemps. Tu t'es déposé que je voulais faire. Je t'en ai renvoyé un, ça par erreur. Ah, je l'ai fait tomber. Un replicant. Tiens. Oh, j'ai fait une. Oh, qu'est-ce que c'est beau. De quoi? J'ai mis 3 mini kits de soins l'un sur l'autre. Magnifique. Magnifique. Bon, je te. Non, attends. Je le vois, je regarde ton live, mais en vrai, ça me bouge pas. Ouais, attends. Faut que je baisse le son du jeu après parce que j'entends à moitié. Faut que tu récupères ce qu'il y a dedans. Ok, c'est bon. Ok, Santos. J'ai toutes les pièces. Ah bon, déjà? J'ai même pas fait gaffe. Vous pourrez le reconstruire. Utiliser le plan sur un établi. Rapide. Rien de trop compliqué. Bah en fait j'ai même pas vu que j'avais chopé au début, je pensais qu'il m'en restait deux à trouver, en fait non j'en avais déjà chopé deux. Très bien. C'était très très rapide. Oh c'était très dur. Bon bah on part. Allez on se barre, on va certainement agresser parce que c'est trop calme. Ouais une grande salle comme ça, vide. On va forcément se faire agresser à un moment donné. Ah, a priori, non. Bon. Bon. Déçu, on n'est pas mort. Ah, bah voilà. Ah. Le retour de la fainéantise. Ah. Voilà, c'est fait. Hop. Ah. Tentacule, c'est bon. Putain, bouge. Ah mais je peux pas bouger, c'est parfait. Ah ma vie est géniale, je suis bloqué dans un. Non. Voilà. Ah c'est pour moi forcément. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Putain, t'aimes bien. Tu as oh, moi je peux plus du tout l'arrêter là. J'ai plus de stase. Deux minutes ça a plus de stase, c'est dommage. Il a plus de jus. Oh putain. Oh la vache. Ah c'est loupé. Le soin direct hein, je cherche pas à comprendre. Ah salut. Alors plus de stase ouais. C'est qu'il balance des trucs pour le calmer, mais ça va mourir, putain de saloperie quoi. Elle-même, mais c'est une folie. Ah, ah, monsieur. Bonjour, Ivan. Bonjour, j'ai toutes tes pattes. Ah, attends. Oh, regarde, un petit peu. Là, c'est bon. Voilà. Allez. Il a plus de neuil. Ça y est, il utilise sa carte Joker. Encore une fois. Merde, cette bestiole a encore foutu le camp avant de mourir. Oh merde, on n'aura jamais la paix.
Bon, ça va, là on est rodé là par contre, hein. Ça va, on l'a bien. Cette planète ne nous tue pas avant, on la trouvera. J'en reviens très vite. On est bien rodé quand même, on l'a bien défoncé. Eh, hey, quelqu'un s'est rendu à l'armurerie. Et vous avez quand même de sacrés coups dans la tronche. Oh merde. Attends. Que je craignais. Quelqu'un y a laissé des signaux récemment. C'est pas vrai. Tu penses que c'est les hommes de Danik? J'en aurais le cœur net. Et voilà. C'est ouvert. C'est là. Protéger les stocks. Est-ce que j'ai vraiment envie de protéger des stocks? En gros, t'as des fanatiques après nous, bon, ils vont à l'armurerie, quoi. Ça serait con qu'ils reviennent avec des lance-roquettes. Oh, ça y est. À quoi vous servent toutes ces ressources? Oh putain, y'a le robot qui m'insulte encore. Oh la vache. Ah, il est rentré, hein. Ah, j'aurais préféré qu'il rentre pas. Il dit quoi? Que t'es incapable, tout ça? C'est normal. Ouais, il m'aime pas. Bah, enfin, comme tout mon Discord, hein. J'ai l'habitude. T'as dit autre chose? Non. Genre, faut que je baisse le son du jeu par contre, sa gueule. J'ai l'habitude, tout le monde me déteste. C'est pas grave. Quoi? Lance-sonde? Mais pourquoi j'ai. Oh, ouais, t'es obligé de le prendre. Oh putain. Donc, faut voir que tu gères avec une arme. Retirer et démonter. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ça va enlever la mauvaise. Oh merde, t'as. Oh putain. Normalement, elle est dans ton dépôt, je crois. Elle est pas. Oui, je sais, elle est dans le dépôt, mais enfin, il faut que j'y aille, quoi. Chou. Jeu de merde. Genre, le mec, c'est tout à droite, et t'as juste le coffre et tout. Jeu de merde. Connexion interrompue, putain, ça commence bien. Tiens. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Et qui l'autre? Yldre? C'est la faute de Yldre. Est-ce qu'on a récupéré des nouveaux trucs, non? Pour des armes? Non, je pense pas. Si, j'avais récupéré des morceaux, mais je pense pas que ce soit des trucs vraiment très. Est-ce que vous avez par terre qui disait moteur machin? D'accord. Moins 1 la cadence de. Tu disais rien? Il y avait pas un truc avec le moteur. Moteur sombre ou un truc comme ça? Qu'il a récupéré tout à l'heure, Yldre? Ah, oui, je crois que c'était pour faire l'arme de. Enfin, pour l'histoire, là, pour sonder la bestiole de l'intérieur. Là. Parce qu'on va devoir. What? On va devoir enfoncer des sondes dans un monstre. Depuis l'intérieur. Wow. Une belle sonde anale. Elle est rentrée dans un monstre pour lui fourrer une sonde dans le cul. Je fais quoi avec? C'est ça. Il me semble que les scientifiques prenaient des mesures internes. Donc. C'est sûr que c'est pas un jeu en taille. À moitié. Super. Salut, Vranker. Moitié trois quarts, quoi. Bienvenue. Bon, ok. Bon, on va voir si. Ah, mais attends. Ah, cette fois-ci, c'est moi le premier. Lyon. Ça va. Moi je vais rester avec mon arme, j'aime bien. Jamais vraiment utilisé ça en plus. Des piques et une scie. Le découpeur et le canon automatique. Cool. Dégâts, feu, propulsion. Tu me dis quand t'as fini? C'est bon. D'accord, bon bah on y va. Ne meurs pas. Ah, mais c'est en plus j'ai les fucking. Artefacts. Comment on appelle ça? On s'en fout. La merde. Ne tremblez pas face aux défis qui nous attendent. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nous sommes des millions et notre foi pour le monolithe est inébranlable. Etc. Etc. T'as vu, regarde? Il y a un schéma. Ils te disent le nombre de points que tu fais. Là, tu fais 0 points. Là, tu fais 1 point. Et là? Et là, je gaspille mes cartouches. Ouais, non, là, j'ai les allergies aux graminelles qui sont déclenchées là depuis 2-3 jours. Ah, les allergies. Ah, c'est picote. Ah, t'es là, c'est bon. Oui. Je baisse le son du jeu. Le jeu, il m'a dit à te faire foutre. C'est moi qui maîtrise le son de Windows. Je fais ce que je veux.
C'est cool. De ça. Toujours pas changé. Ah, c'est bien, il y a un... Ah, mais attends, mais c'est parce qu'on est passé là il y a pas très longtemps, là on a récupéré un raccourci en gros. C'est ça. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller du coup? Je sais pas. Non. Non, parce que j'aime bien, c'est que du coup on a des établis d'ateliers et d'armes. À deux... Enfin, on change d'étage, on en a un de deux côtés, quoi. C'est ça. Ah. Ta gueule. Non, mais ah, vraiment ta peut-être gueule. Peut-être qu'il était gentil. Tiens, tiens. Et il est encore vivant, hein. Ah, ça y est. Tu vas mourir, tu vas mourir. Ça y est, j'ai perdu la tête. Saloperie, va. À part moi, il n'y a pas d'amis. Alors. Ça donne trop de munitions, ça sent la merde. Ah bon? J'ai des mines là? Ouais. Ah ouais. C'est vrai, en plus à chaque fois je veux appuyer mais j'ai le récupérateur sur le fusil à pompe. Vas-y, j'y vais, je cours. Tan 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 tan. Oh, c'est pas comme la super dégagée. T'as un putain de panneau qui marche. Pense à sauvegarder. T'as un point de sauvegarde juste à côté. Tu sens là la merde, hein. Là tu le sens bien la merde. Quand t'as le jeu qui te dit sauvegarde. Ah non, pas ça. Quoi? Ça là? Tu préfères ce truc là? Oh oh! Oh non 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 non! Oh. Oh la vache, il va quand même choper quoi! Oh merde! Ok, on va apprendre à pas recharger devant un ennemi. Vraiment la cadence de tir, non, il faut que je la remette la cadence de tir normale. Parce que là, il est vraiment trop lent là. Lui. Amplificateur statique. Bah attends, on va juste revenir en arrière, je vais descendre un petit peu les dégâts, mais je vais augmenter la cadence de tir, parce que là, c'est mort. Ah, c'est à ce point-là? Ah ouais, non, non, c'est bon. Et je tire, et le machin, il tombe au sol, il a le temps de se relever et de commencer à rusher avant que je retire. C'est mort, c'est trop lent. Y'a quoi en bas? Ah, il y en a là. Tu veux voir ce qu'il y a en bas, Shinra? On peut pas vraiment voir. Il y a un autre étage, je crois. Tu peux pas sauter? Non, hélas. Je peux pas me suicider. Ce sera tellement bien. Oui. J'attends que ça. En vrai, ce qu'il faudrait, c'est des plus 2, c'est des plus 2 dégâts, voire plus 3 dégâts avec des bonus de cadence de tir. Tu peux les créer après, hein. Ça, merde. Ouais, mais je crois que... Je pense sincèrement que je dois pas avoir ce qu'il faut. Genre... ça... Fabriquer... Non, pour l'instant, c'est des plus de dégâts... Tout court, ou des plus 2 avec des... Avec des malus. Le plus de dégâts, je peux pas le faire, j'ai pas les ressources. Je suis trop faible encore. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. On va tuer des nécromorphes. Let's go. Oui, bonjour. Vous n'avez pas la carte. On n'a pas la carte. Ah, ok. Arrête de manger en même temps que tu joues, c'est chiant. Et là, c'est quoi? Je mange pas, putain de merde. Non, là c'est ouvert, mais. Ah. C'est comme ça pour toi la bonne tronçonneuse? Très bien. Oui, la mienne. Ah, oui. Bah, ok, ok. Elle est spéciale. Ah, bah, elle est plus que spéciale, là, je pense. Elle est unique. Ce serait pas les termes employés, mais. Non, elle est unique. Oh la vache!
Ah, il se la joue chien de l'enfer. Qu'est-ce que je le dis ? Oui, mais toi devant moi. Mais oui, mais il était en train de recharger. Non ? Il ne recharge pas, il a. J'ai plein de munitions, moi. Hein ? J'ai plein de munitions, moi. Il recharge pas, il a. Il a pas de munitions aussi, il est mort. Moi je tire. Je la kiffe. Je te voyais recharger. Pour moi, je te voyais recharger, donc je me suis menteur. Bon, menteur. Est-ce que c'est bien vrai ce mensonge? Bon, on les a un peu flingués les trucs quand même. Ouais, après, c'est des trucs de merde. Hein. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Yes. Un petit puzzle. Regarde, je glisse. J'étais à côté à glisser. Ta ta ta. Oh la vache. Ta ta ta. Et vous faites comment quand vous êtes seul sur ces parties-là, les puzzles? Sur les puzzles, tu fais avec les deux joysticks. Ok. Pourquoi tu me regardes? Bah oui, c'est moi qui suis le meilleur. C'est rien de me regarder. Okay. Je le sais en plus. Toi, tu vas te faire cisailler les fesses à un moment ou à un autre. Poum poum. C'est pas fait exprès la musique. Poum poum. T'as un truc qui s'approche. Ouais. Poum poum. T'as vu le nouveau film avec Jason Statham là? Ah, le. Le requin avec géant le là. Ouais, ça a l'air terrible. J'ai vu la bonne annonce, faut que je l'envoie à Shinra. J'ai fait quoi qu'il va me faire une crise cardiaque. Ah, il a l'air vachement bien ce film. Ah ouais. Je viens juste de le voir aujourd'hui en plus l'annonce. Je me demande s'il va lui faire une crise du coup. Pour le maîtriser. À la transporteur. À la mâchoire plus grande que lui. Hein. Oh, ça y est. Il y a le robot à mettre. Anomalie courant. Oh 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 oh. Merci. Derrière toi. Ah. Ah oh, putain de... Oh d'accord, ok. Je me suis fait one shot apparemment. Merci. Dabou Bobby. Oh merde, oh putain, sur la gueule quoi. C'est normal. Ah il m'a giclé dessus quoi. Senpai, arrête. Yamete. Yamete, Senpai, Yamete. Mais je me suis fait one shot par le gros truc. Pour une fois, c'est moi qui t'ai relevé. Ouais. Mais que se passe-t-il? Je suis devenu meilleur que toi. Que se passe-t-il? Ah, le mec il s'est bien empalé. Ah, je pense qu'il est tombé. Ouais. Monsieur, ne bougez pas. Nous appelons les secours. Il a encore un pouls ou pas? Bah écoute, je cherche son cou pour l'instant, mais je le trouve pas. Ou son bras? Il a plus rien, il a aucun membre. Il a que le tronc, quoi. C'est un homme tronc. Bon bah je crois que ça va les munitions, non? Vous avez un message? Dans la rambarde aussi. Ouais, c'est ça. Je vais avoir un plus de dégâts là, c'est cool. Général Mad? Ah non, Mad. Du coup, s'appelle Mad, tout s'explique. C'est le général énervé. Ah, mais tout s'explique sur le pourquoi du comment, ça fout le camp, quoi. Vous aimez les patates? L'enregistrement bizarre. Il y a que dans le 2, je crois, où il y en a un qui saute par. Enfin, qui tombe du plafond, là, c'est le bordel. Dans l'ascenseur. Ouais, ils refont pas trop le cliché ici. Bah, cliché, ils l'ont fait qu'une fois. Qu'est-ce qu'il y a de si important au dépôt? Des munitions. Chut, écoute. Je vois, sur la passerelle. Attendez. Ah, d'accord. Quelque chose d'autre ici. Tirez. Ah, mais j'ai un non, petit non, peu mais trop attends. Avancé en fait. Voilà. Bah, ils sont en train de se faire bouffer.
Ouais, mais du coup, moi, les petits machins, je les défonce, quoi. Bon, bah. Comme tu veux. Y a plus personne, quoi. Ils sont tous morts. Ah, déjà? Ah, non. Non. Ah, il s'est envolé, lui. Ah, mais il y a un truc, là. Ah, non, stop. Stop, les conneries. Ils sont derrière toi. Oh bordel de la merde. On m'occupe de ce côté. Mais... Ils sont tellement rapides ces machins. Ça n'a. Qu'est-ce qui se passe en bas? Ah super. Il y en a encore un qui doit gogoliser quelque part. Il est pas en bas. Je pense. Il doit essayer de rentrer dans la canalisation là. Okay. Je crois que c'est suicidé finalement. C'est dit que le suicide valait mieux que. Ah. What? Il est où ce con? Je ne sais pas. Ah! C'est la clé de l'armurerie. Il est dans les murs. Une clé d'armurerie. Cool. Il est dans les murs. Il sait pas par où aller. Ah, merci, ça y est. Carré. Il a trouvé le chemin de la mort. Il a trouvé le chemin de mon canon. Putain. Encore? Ah non. Juste pour le principe, tu meurs. C'est vraiment pour le principe. Bon, du coup. Ordre du général exécuté, sergent Weber. Non, fais gaffe, il y a un nécromorphe qui bouge dans la cafésie. Sérieux? Vous n'êtes pas au courant? Je vais devoir l'assassiner. Non, chef. Bah, avant, il va m'aider à ouvrir les portes. Il y a des muscles bizarres, fais gaffe. Que tout soit chargé. Attends, on a une carte. Oui, c'est les cartes de l'armurerie. On a deux, et il y a deux portes. Va falloir revenir en arrière. Oui. De toute façon, là, on n'a pas le choix, faut revenir en arrière. Ouais, exact. Ah, ouais, je crois qu'ils vont nous forcer de façon à revenir. Donc là, on va ressortir, je pense. Ouais. On va faire tout le truc dans le sens inverse, on va pouvoir ouvrir les portes. Et la grosse araignée va revenir. Ah non. La grosse mégale. Oh la putain de sa mère! Ah, je pense que c'était démembré. Ouais. Bon. Je me suis loupé en fait. J'en ai subi les conséquences. Oh lui il chauffe en plein vol. C'est plein de nécro quoi. Attends. Une relique. Ah oh, oui. J'ai entendu un vup. Pas un truc à ramasser. Non, c'est bon. Voulez-vous pirater? Ah, c'est là. J'arrive. C'est quoi l'histoire des monolithes, tout ça? J'ai pas envie de regarder ça en fait. En fait, c'était juste un raccourci en fait. Juste débloquer le raccourci. L'histoire des monolithes, ce sont des.
On est dans la merde. Attends. Attention, des Goldman. Merde, j'en charge. On charge aussi. Merde, putain, j'ai quand même réussi à me prendre un jus de six. Ok. C'est le bordel, mais ça va. Ça va, on est encore en vie. C'est un peu fouillis. Ah, comme toujours. Oui. Ça arrive tellement de partout que tu peux pas te dire on couvre un angle et... Ah, faut le truc qui repousse, quoi, si on veut vraiment pas se faire toucher, quoi. Mais bon, c'est pas drôle après. Bah, je l'ai, hein, mais je l'utilise pas. Donc, ah, après, c'est vrai que bon, le problème c'est que le Megapectal. Monsieur veut son histoire. Les monolithes, ce sont des objets extraterrestres. Ils sont dispersés sur des planètes. Des sortes de gros rochers là qui produisent de l'énergie. Et je crois qu'à la base, c'est fait pour. Non, à la base, ils en ont trouvé un, l'original. Et ils ont décidé de le reproduire. Oui, mais il y en a d'autres, les monolithes. Il y en a d'autres. À la base, c'est des choses extraterrestres qui sont là pour créer une entité, genre une lune géante nécromorphe qui mange les planètes. En gros, c'est ça. Après, vu que ça produit de l'énergie, oui, les humains ont voulu en recréer pour avoir des sources d'énergie infinies. Mais à chaque fois, ça finit mal, quoi. Toujours pas compris. Enfin, surtout qu'ils veulent pas comprendre. C'est ça. Donc, à l'origine, c'est pour créer une super entité aussi grosse qu'une planète pour bouffer tout ce qui bouge. Ouais, c'est ça. Et on n'a rien trouvé mieux de multiplier les monolithes. Mais ça, en fait, ils ne savaient pas, les gens. Enfin, on l'apprend que dans le 3. Enfin, on commence à l'apprendre. À quoi les monolithes servent. Et les demeurés qui ont fait sauter au début de la lutte. Attends, y'a des bestioles. Non, putain, c'est où? Ah. Non, arrête-moi! Elle va me manger! Je recharge. Oh, mais lol! Le Megapeke qui l'a même pas explosé, quoi. Ah bah oui, bon, je suis mort. Je suis tombé. Faut que je recharge. Mais moi c'est aussi. Ah, c'est bon là. Je vais me laisser tranquille. Hein. Ah, quel positionnement de merde, quoi. Ah, c'était horrible. Ah, c'est bon. En fait, je me suis fait un peu gangbang, j'étais mal placé. Ah, moi aussi, c'était pareil. J'ai fait les mecs, j'ai fait les humains, et puis quand je me suis retourné, c'était le gangbang. J'ai utilisé quasiment tous mes soins. Pareil. Collecteur de ressources en ligne. Stockage ici. Oh là là, putain. Faut que t'appuies. Tu restes appuyé, non, c'est bon. Pourquoi on a du mal avec ça? Je sais pas. J'ai plus l'impression que c'est bugué qu'autre chose, quoi. Je sais pas. Peut-être un truc avec la connexion, genre ça fait un délai. Ah d'accord, il pose des trucs, même pas il dit, quoi. Ah oui, il faut poser le robot par terre. Tu sais, je vois un robot, je me dis tiens, c'est bizarre. Ah, puis habituellement je lui dis ah, j'en ai marre, il m'insulte, mais là pas de réaction. J'avais pas envie de t'en parler. Attends. Est-ce qu'on peut passer par là pour revenir ou pas? Je sais pas en fait exactement à quand on va s'en servir de ça. Bah, on peut essayer maintenant parce que c'est vrai qu'on n'est jamais monté dedans en fait. Mmh.
alors ça va où cette merde? Ah ouais, position armerie, dépôt de provisions, archéologie. On peut aller nulle part. Voilà. Cool. Êtes-vous content? Et les fanatiques? Pourquoi? Le problème avec eux? Les fanatiques, ils pensent que se transformer en nécromorphe, c'est l'évolution de l'humanité en fait. Sauf que c'est tout sauf une évolution. Ouais. Ah ah! J'ai entendu un truc bizarre. Ça fait grink. Vas-y, ouvre la porte, ne regarde pas. Oui. Avec des yeux d'ahuri. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est la machine là-bas qui veut communiquer avec nous. Attends, je tente. Et alors? Ça donne quoi? Elle nous a insulté, elle a dit qu'elle allait nous manger. Ah. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, allez. Ouais. Ah! La foreuse de la mort. Elle m'a alerté. Ah tiens, je viens de me rappeler d'un détail par rapport. Oh la vache. Quoi? Tu peux attaquer? Ouais, on se fait attaquer. Ouais. Super. C'est pas comme si j'étais occupé à donner des trucs. Ouais, bah ouais, il y en a sur toi. Il m'a fait peur, ce con. Ah bah c'est les fameux qui s'est transformé du coup tout à l'heure. Putain, j'ai tout bien sur moi. Ok. Fou. C'est bon. Faut que j'augmente la vitesse de mon lance-lame là. Il est bien mais un peu lent. Ouais, je me rappelle que les mononites à la base ils sont pour... Enfin, ils ont des pouvoirs, enfin ils ont une sorte de puissance. Et ils t'impriment l'emplacement et le schéma pour créer d'autres monolithes, là, comme ce qu'il oui, a. C'est pour Isaac, ça que ouais, voilà. C'est... Ah ouais. T'as ça, mais en fait c'est tellement puissant. Après t'en as qui deviennent fous. C'est pour ça que ça part toujours en couille et ils commencent à se suicider, les gens. Mais voilà, leur truc c'est de faire ça, c'est d'imprimer pour multiplier les monolithes et pour après créer la lune géante, là. Il viendrait fou si t'avais tout le porno du monde dans le crâne. Hein. Est-ce que ça serait vraiment possible d'avoir tous les pornos du monde dans le crâne aussi? C'est une Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ouais, aussi, ouais, non. C'est vraiment une bonne idée. Mais bon. Est-ce que tu deviendrais pas fou à la longue? Je pense. T'aurais tout le temps la trique, enfin, il n'y aurait pas moyen de. Il faudrait s'en foutre. Tu pourrais même pas bosser, quoi, je veux dire. Outil supérieur. Et même, tu pourrais jamais laisser tranquille ta femme aussi. Genre, hey, chérie, tu as envie, maintenant. Viens là. On l'a fait il y a 10 minutes. Je m'en fous encore. Ah. Elle tourne le générateur. Dégâts canard. C'est quoi ça? On va créer des trucs mieux. Cadence de tir. Recharge, cadence de tir. Ouais. Ouais. Ça va. Un peu mieux. Merde, oh, j'ai pas pris de. Je prends des petites, je vais me remettre full vie. Ça peut aider. Ouais, on est bon. Soigne-toi, tu me stresses. Oui, je suis en train.
Voilà. Au final, l'histoire de Dead Space, moi je l'aime bien, elle est plutôt cool. Elle est bien ficelée ensemble et tout ça, les jeux ils sont bien liés, enfin c'est cool. Oui. Ça joue sur des clichés, mais ça va. En même temps. Bah, y'a pas énormément de clichés non plus. Technologie après, j'ai envie de te dire, t'es obligé de jouer sur des clichés, mais à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Y'a plus trop de place à. Technologie alien, ça reste. Ah, mais t'as le jeu. Il est mort, lui. Lâchez cette arme tout de suite. Les nécromorphes n'ont pas le droit d'avoir d'armes. Oh, recharge, il y a une tête qui se balade. Il y en a une autre là, regarde l'arc. Faut détruire les corps au fur et à mesure. Ouais, mais des fois ils se font exprès, tu peux pas. Possession. Je pense que c'est bon. Il est toujours pas mort ce con. Voilà. J'ai éclaté la tête d'un bébé. Les gars, je suis là. Dieu merci. Je vais rentrer là-dedans tant que j'en ai le courage. Kojima, merci. Bon. On s'en fait à quoi ? Il y a un lance-harpon de chaque côté de la passerelle du haut. Il devait s'en servir pour lui ouvrir le ventre. Oh, mon sang. Formidable. Je vais voir. C'est qui ? Vous occupez pas de ça. Ah, faut le désinstaller, lui. Bien, capitaine. Épisode 12, autopsie. Norton. Mon petit Norton, tu aimes ce fusil à pompe dans tes fesses ? Bon, je vous laisse. Ah oui. Le harpon, c'est vraiment trop bien. Cool. Tout est connecté. Faut faire l'autre. Je te regarde, tu vas à l'intérieur et moi j'attends. Moi je vais rester avec elle. Elle est sympa. Ok. La femme qui va mourir. Tout de suite, ça y est, parce qu'elle est de couleur. Voilà, c'est bon, cliché quoi. Non, c'est parce qu'elle a le crâne rasé, donc elle doit mourir. D'accord. Yeah. Isaac, vous devez guider la cage jusqu'à l'ouverture. Norton, tu peux nous aider ? Tu plaisantes, j'espère. Ah, c'est bon, je vais y aller. Aidez-moi à la guider. Ouais, d'accord. Montez dedans. Alors, la seule chose qu'il sait faire, en fait, c'est de nous ouvrir la porte. Non, mais oui, c'est pour qu'on aille crever, lui. Il aime bien. Là, il va t'aider, là. Ouais. Un putain de connard, ce mec. Bon, tu me diras, hein, t'es pas mieux, hein. C'est dire. Vrai. C'est vrai. J'avoue. On peut pas bouger, c'est stressant. On va se faire manger. Adieu, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du monstre. Ouais. On aurait dû lui faire un doigt d'honneur pendant qu'on descend. Utilisez le capteur pour trouver un point névralgique. Vous devriez l'entendre. Et ensuite, essayez de lui tirer un point névralgique. La télémesure fera son travail et nous saurons où est la machine. Au final, c'est plutôt simple, non ? Oui. Ah oui, c'est simple. Vas-y, je te couvre avec la sonde. Ok. Bon, je t'attends ici. Hein. Plante la sonde et je suis le signal. C'est pas trop compliqué. Y a-t-il une sonde anale ici ? Faut utiliser le harpon.
Ah. Pas d'inquiétude, elle est bien morte. J'arrive. Vous êtes sûr de ça? Oh la vache. Ah oh ouais bah super. Je l'ai dans maman en écrouance là. Non. Non viol, non. Ah, t'arraches la tête. Non non. Oh putain. Je vois tout noir. Ah, c'est le retour. Voilà, c'est fini. Ah, j'ai fait un triple salto arrière quand je suis mort. Sympa. Bon, il y a une technique, ça peut être sympa, c'est de se remettre dans l'ascenseur. Ouais, je pense. Okay. Où tu vas? Non mais attends, t'es sérieux? Okay. Alors regarde, la boîte, j'ai tapé dedans, elle s'est envolée, quoi. Et si je l'ai rattrapé avec la... Pas trop compliqué. La gastase. C'est reparti. Vous êtes dans maman et vous fouillez ses entrailles, c'est ça? Vous êtes sûr de ça? Bien sûr qu'on fouille les entrailles.